Normalement, tu n'as rien à faire, tout ça peut partir. L'important, c'est que tu arrêtes, c'est que tu l'observes et que tu agisses. La plupart du temps, les gens observent et veulent savoir d'où ça vient. C'est-à-dire qu'ils veulent continuer à se scléroser dans l'observation, en marche arrière. Notre point de vue, c'est qu'on observe maintenant, on observe ici et maintenant, et on avance. On observe ce qui vient à nouveau, et toujours à nouveau, pas à ancien, pas de l'ancien, toujours à nouveau. Et on transforme ce qu'on observe petit à petit, selon le but qu'on s'est fixé. Mais d'où ça vient? Inintéressant. Il y a toujours sans cause d'où ça vient. Ça vient de qui? De tes parents, de tes grands-parents? Ça vient de tes expériences? Ça vient de ton âge? Ça vient des gens qui t'entourent? Ça vient du siècle auquel nous vivons? Ça vient des derniers aliments que tu as mangés? Oui, c'est un mélange de tout ça. Ça vient toujours de tout ça. Ça vient toujours d'une multitude de choses et chacun fait sa théorie à ce sujet. Les uns disent que ça vient des parents, les autres disent que ça vient de l'éducation, les autres disent que ça vient des ancêtres, les autres disent que ça vient de ce qu'on a mangé. Chacun son histoire. Ils ont tous raison, un peu. C'est pour ça que définitivement, nous ne nous intéressons pas d'où ça vient. Nous regardons ce qui est et nous apportons un changement à ce qui est. Et nous regardons en nous les forces qui sont actives, celles qui vont dans le sens de ce changement et de cette évolution, et celles qui veulent l'empêcher. Et nous regardons tout ça, mais nous agissons toujours dans le présent et pour le futur. En général, ceux qui veulent savoir d'où ça vient ne veulent pas changer. Le fait de s'intéresser au passé évite de changer dans le présent et dans le futur. Tandis que le fait de s'intéresser au présent permet de changer son propre futur. Sinon, son propre futur n'est fait que de la répétition du passé. C'est mort. Bon après-midi.